C'est vraiment mon outil de travail. Vous savez, quand on est réalisateur, arrangeur, c'est comme vous disiez, si vous disiez vous êtes chasseur et vous n'avez pas de fusil, et vous ne pouvez pas aller louer un fusil tout le temps. Non, là j'ai mon unité de travail qui me permet de le louer aux gens pour faire des projets, de pouvoir réaliser mes propres projets et pouvoir arranger les albums sur lesquels on me sollicite. Parce que l'inspiration n'a pas d'heure. Mais là, à n'importe quelle heure j'ai l'inspiration, je peux venir dans mon studio. Et il était plus petit, j'avais juste ça. Il m'avait dit de venir voir le petit studio là où il travaille. Mais je viens découvrir, comment vous dites, un studio de 4 ou 5 pistes. 96 pistes. 96 pistes. Voilà, ça c'est professionnel aussi encore. Et vraiment, je ne peux que louer ces initiatives. Très impressionné par ce nouveau studio de Guy. J'ai eu la chance de connaître l'ancien et comme je lui disais, pour moi c'est 4 fois l'autre, peut-être en termes de superficie. Et puis en termes de grandeur. Maintenant, sur la base de ce qui a été fait la dernière fois, les autres fois dans d'autres studios, dans son ancien studio, j'imagine qu'ici, ce qui va être fait va être encore plus grandiose. Et je ne peux que l'encourager un peu plus et je lui promets de passer le mot à ceux qui ne le savaient pas, qu'on a un plus grand studio d'un de nos confrères, de notre compatriote, de notre frère qui est à la disposition de tout le monde. J'ai eu à mixer l'hommage à Nelson Mandela fait par Dali Kimoko et Yondo Sister. Ils sont très contents du travail qui a été fait. On va faire la photo avec nous. Agui, vraiment, c'est vrai qu'à dire aux autres Camerounais de suivre l'exemple de Guy. Il faut savoir prendre auprès des Français et donner aussi. Il faut aussi pouvoir investir dans son domaine, comme il est en train de faire. Bon, il a toujours eu de bons matos en termes d'instruments. Bon, je vois qu'il a une belle batterie. Bon, ça, il ne peut que faire la part belle à son instrument, c'est clair. Maintenant, effectivement, il a j'ai vu qu'il y a une console, dernier cri. Le studio a l'air bien installé. Je pense que, bon, le connaissant, il y aura matière à enregistrer des bons sons dans ce studio. La majorité des personnes que vous avez vues là, qui sont là aujourd'hui, il y a d'autres qui ont déjà réservé. Et sur les 6 prochains mois, je peux dire qu'il y a déjà, il y a Toto Guillaume qui vient réaliser des projets là. Il y a Tonton Manu qui vient réaliser des projets là au studio. Il me l'a dit déjà. Il y a Sekouba Bambino du groupe Africando qui vient faire son nouvel album. Il y a Alama Kanté. Avec qui je suis en studio déjà en ce moment et j'espère qu'il y a d'autres qui viendront. Maintenant je suis cinéaste et j'ai eu la chance de faire la musique de mon dernier film dans l'ancien studio avec Guy. Et j'imagine qu'ici, pour mon nouveau film et pour d'autres films encore, les cinéastes sont appelés aussi à venir ici. Ce n'est pas seulement pour les artistes musiciens, mais pour tous ceux qui flirtent avec la musique. Et c'est mon cas. Et je pense que moi, je viens de trouver chaussure à mon pied. Je suis tranquille.
batteur de son état, chanteur également quand il veut, n'est-ce pas, producteur. Ça fait longtemps qu'il est producteur, parce qu'il déjà avait fait les camélogues, tout ça, le fameux album voilà, Makossa Connection, qui avait fait un hit un peu partout. Et je crois qu'il continue, mais il nous a un peu abandonné. Il est maintenant beaucoup plus dans sa même famille en Afrique de l'Ouest. Donc on le sent plus trop au Cameroun, n'est-ce pas? Il est toujours avec les artistes, ils n'ont pas les manières de les dire. Nous, on n'était pas africains, on est toujours la famille, on n'est pas contre. Mais il faut qu'il accepte de nous abandonner un peu. Voilà. Et qu'il se rapproche un peu plus, qu'il revienne un peu dans sa famille. Là. Et pour faire encore des bonnes musiques de chez nous, pas seulement faire le mandingue. Le studio s'appelle GB Prod. C'est G comme Guy, B comme Bilon et Prod comme production. Et il est situé au 74 boulevard Paul Vaillant Couturier à Ivry-sur-Seine. Ok, et pour te contacter, c'est ta page Facebook, c'est... Ouais, la page Facebook, et puis rien ne m'empêche de donner mon numéro de téléphone, c'est mon outil de travail. C'est le 06 18 73 07 42. Ok, tu as un email? J'ai un email, guybilong@aol.com. Merci beaucoup et bonne chance. C'est moi qui te remercie, vraiment. Je te remercie du fond du cœur.